octobre, Aix-la-Chapelle. Les Boches la défendent comme des forcenés car c'est la première fois que l'une de leurs villes est envahie par les Alliés. Ce ne sera pas la dernière. On pensait que la libération de Paris nous rapprocherait enfin de chez nous. Mais nos problèmes ne font que commencer. On se bat dans une ville à présent, Aix-la-Chapelle. Les Boches tiennent la ville avec désespoir. Je les comprends. On perfore la frontière ouest de l'Allemagne. Davis nous a ordonné de tout nettoyer, maison par maison. Il ne doit plus rien rester, comme il dit. Turner et Pearson sont incapables de s'entendre depuis qu'on est là. La fatigue commence à s'accumuler. Allez, c'est l'heure de la bouffe et des munitions. Ne pas discuter mes ordres, c'est ça votre seule mission. Hé, remuez-vous un peu. Faut qu'on ait rejoint le QG avant la nuit. Hé, j'ai trouvé ça qui traînait. Ça vient de ta femme. Je t'ai demandé de pas fouiller dans mes affaires. Quel genre de guignol ouvre pas son courrier? Le genre qui redoute une rupture? Regarde l'adresse, elle a écrit Daniel, c'est pas Red. Y'a pas 36 raisons d'être aussi formel. Désolé mon vieux, mais je crois qu'elle te largue. Eh, c'est peut-être comme la lettre de Schrödinger. Tu sais, tant que tu l'ouvres pas, ça reste ta copine. Comme la lettre de Schrödinger, hein? Bah quoi? Ça suffit, les conneries! On doit être au théâtre municipal demain à 7h30. Faut croire qu'on a tous nos limites. Sans exception. À tort ou à raison, je me force à croire que tu m'aimes encore si je veux rester fort. On y va ! On y va ! Allez, Daniels ! Daniel ! C'est bon, je suis là ! Merde, on l'épine, mais il en arrive toujours plus! On va pas pouvoir tenir la place bien longtemps! L'artillerie est en chemin, ils disent être là dans 10 minutes! C'est pareil que 10 heures! Lieutenant Turner, il nous faut des places d'équipe! Richard, couvre notre planche! Couvrez la douce et laissez-moi réfléchir, on bon Dieu! On a pas le temps pour ça, chef! Bon, Daniel! Toi et Aiello au téléphone avec Pearson! Vite! Allez, c'est parti! Daniel, vite, au téléphone! J'y vais! Doug Woodwhite 2-7 à Villa. On est sous le feu. Demandons appui immédiat sur ligne phase 2, à vous. Bien sûr, mais ça va nous exploser sur le plan. Ok, à ramenez vous. Vos fesses le plus vite possible. Bien compris, on se met en route. Et maniez-vous, c'est pas que nous réduisons en charpie. Terminé. Bon les gars, direction le Stadttheater. La première section a besoin de nous. Position ennemie inconnue. On bascule en communication par radio et interphone. Radio activée. Hudson, cours par la droite pour rejoindre le théâtre. À droite devant. Bien reçu, Perez. Abrams, Poul, restez en position ici avec la seconde section. Couvrez ce flanc jusqu'à notre tour. Bien compris. Ça marche, Perez. Restez vigilants. Faites gaffe aux fantassins en fenêtre. Rechargement en cours. Ok, Hudson, en route. J'aperçois du mouvement, côté droit. Nos gars au théâtre ont les mêmes emmerdes que nous. Dès qu'on repousse les Allemands, ils en débarquent aussi dans d'autres. On est sur leur terrain. C'est plus du tout pareil. S'ils veulent un bain de sang, ils l'auront. Ils ont pas la moindre chance. C'est pas leur façon de voir. Unité Panzerschreck. Panzerschreck droit devant, tout là-haut! Obus chargé!
Panzer Shrek 3 francs, en hauteur. Rechargement en cours. Panzer Shrek sur la droite. Rapson, je suis désolé. Pour un pistolet. Ah, ah, putain, c'est un tigre. Attirez-le. On doit viser ses flancs. On a un autre Panzer ici aussi. Descendre. Il reste plus que nous. Nous sommes en haute.
monter. Allez, au sommet de la colline. Fais pas ce que je peux d'ici. En direction de l'hôtel Allendorf sans soutien blindé. En route! Ok, c'est parti. Cet hôtel est un bastion nazi depuis des semaines. On doit le prendre si on veut récupérer la ville. Ça serait plus simple si on avait quelques chars avec nous. Perez doit maintenir sa position. Nous allons ouvrir la marche, soldat. Levez les yeux! Surveillez les fenêtres! Gardez un œil sur ces vitrines. Pas normal, c'est trop tranquille. Restez vigilants. Gardez votre calme. Restez à couvert. Mitrailleuse, restez pas dans la rue! À l'assaut, trouvez un point d'entrée! Continuez d'avancer! L'escalier est bloqué. Hors de question de retourner dans la rue. Ce mur a pas l'air solide. Daniel, ouvre un passage avec ton lanceur. Aide-moi, s'il te plaît. Quelqu'un peut m'aider. À couvert. Je ne peux marcher. Ouvre un passage, Daniel. Ich habe hier einen...
Agnès, aide un peu l'artillerie à tirer. La voie est libre. Restez sur le qui-vive. Le voilà, les gars. Agnès, viens jeter un coup d'œil. Ah oui, monsieur. Ça a l'air calme, mais c'est sans doute pas une bonne chose. Daniels, qu'est-ce que tu vois ? Le ciel est dégagé. Nos bombardiers sont passés par là. Vous admirez le paysage, soldat ? Qu'est-ce que vous regardez ? J'ai l'hôtel en ligne de mire. Pas de soldats sur le balcon. J'en vois pas ailleurs non plus. Ils doivent se terrer à l'intérieur pour renforcer leur défense. Ils misent tout sur cet endroit. On devrait pouvoir s'approcher sans rencontrer trop de résistance. Mais une fois qu'on aura atteint l'hôtel, il faudra qu'on s'attende au pire. On va d'abord devoir s'emparer de cet appartement, pour écrouiller de poche. On va le nettoyer pour couvrir nos arrières avant de passer à l'hôtel. En formation ! Daniels, Zussmann, vous ouvrez la voie, on y va ! Restez sur vos gardes ! Les appartements pourraient grouiller d'Allemands. À mon avis, ils sont dans tout le quartier. La voie est libre! En avant, restez vigilants. Daniels, on a encore besoin du lanceur. Gaffe, ça va péter! Je vois rien du tout! Allemand en face! Descendez-les! Le passage est bloqué! On doit se débarrasser du bloc! Je les vois pas! Restez baissés! La fusée est ici! Préparez-vous à tirer! Il y a d'autres qui arrivent! Bloquez-vous! Là encore! À couvert! Lance-moi la fumigène! De secours, dispo! Bien! Passe devant et sécurise la pièce adjacente! Affirmatif! La porte est bloquée! Va falloir se faufiler! C'est vraiment étroit! Moi, je passerai pas! T'as mangé trop de corned beef! Oh! Très drôle! Daniels, vas-y! Descendez. Ce bahut nous bouche le passage. On va le pousser. Aiello, enlève le frein et prends le volant. Allez. Ouais, pigé. Daniels, on a besoin d'un coup de main. Saloperie. Cette fleur en l'air intacte. Il reste de l'essence. La batterie est bouchue. Il nous faut un véhicule. Lieutenant, je crois que je pourrais le démarrer. Quelle surprise! Ta gueule, ok, on y va! Préparez-vous, les gars! Daniels, encore un mur! Perce-moi ça! Mettez les touches au tapis, d'accord?
Reculez. Cousin, à départ. On doit nettoyer le hall. Sussman à droite. Aiello à gauche avec moi. Stein à l'étage avec Pearson. À vos ordres. Ils sont franchis dans l'équipe principale. En face. Mitrailleuse dans l'escalier. Voilà. Allez-y, prenez les affaires. Merde. Ils sont partout. Voilà par ici. On approche. Restez groupés. Hey, Stiles. J'ai trouvé la cachette parfaite pour toi. Va te faire voir. Funke, Daniels, à toi la porte. Lumière. Je vais gucken. Vielleicht haben sie etwas zu essen. On dirait un gosse. Quelqu'un a du chocolat ? J'en ai. Je parie que vous avez faim. Allez, tenez. Anna ! Tout va bien ! On vous veut pas de mal. On vous veut pas de mal. À manger, ma soeur. Pitié, aidez-nous. Non, non, non. Les renforts Bosch peuvent arriver à tout moment. On n'a absolument pas le temps de materner des civils. Elles sont que deux. Chef, vous devriez venir voir. Ah, c'est parfait. Merde. On est passé devant un camion tout à l'heure. On pourrait revenir avec et les sortir de là. Sauf votre respect, notre mission était de sécuriser cet hôtel. Sagen Sie, wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Je parle pas Bosch, ma belle. Ich spreche es falsch Deutsch. Keine Sorge, alles wird gut. Tu parles Bosch? Et t'avais l'intention de nous le dire? Oh non. Bon, on va évacuer ces civils. Daniels, Aiello, allez chercher ce camion. Rendez-vous du côté ouest de l'hôtel. En route. Je me demande ce que tu caches d'autre, Herr Sussman. Foutez-moi la paix. Ah, jamais de la vie, soldat. Jamais de la vie. Je crois qu'on est seul sur ce coup, Daniels. On revient pas que Sussman nous ait pas dit qu'il parlait allemand. En fait, il est juif allemand. C'est juste qu'il voulait pas révéler son côté allemand. On a tous quelque chose qui nous fait honte. J'arrive pas à croire qu'on pouvait être 4 de poche. Il y avait un gosse. Des vieillards aussi. C'est des civils. On les renvoie vers l'arrière. C'est comme ça que ça marche. D'accord, on le couvre. Troupe allemande en approche. Panzerstreck. Débrouille-toi. Panzerstreck. Panzerstreck.
véhicule approche. À couvert. C'est vraiment un mortel monstre. Faut pas rester là. Frouille-toi. Il te donne plus de temps. Il faut détruire ces artefacts. Aiello, dépêche-toi, merde. J'y suis presque. D'attaquer! On dirait qu'il se replie! Ok, ça tourne! Monte! T'as réussi à le démarrer! Merci pour le soutien! Je me demande s'ils sont pas en train de se regrouper au nord! On doit avertir les squads! On doit tirer ces gens de là et vite! Ou alors, on tient la position! Trop dangereux! On risque d'être pris entre les échanges de tirs! C'est un peu tard pour ça là! Décide-toi! Pearson a raison, Daniels! On n'a pas le temps de s'occuper d'eux! Ce sont des civils, ils ont besoin de nous! Traverse la zone et garde-le dans la rue. Oui, ça. Allez, sors les civils de là. Allez, allez, allez. Chef, on peut pas rester là. Leurs renforts sont en route. Anna. Hey, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qu'elle dit là? Que sa sœur a dû retourner au sous-sol. Eh ben, elle peut y rester. On doit tirer tout ce monde de là. Allez. Lieutenant. S'il Qu'est-ce plaît. Que je viens de dire? Tu as 2 minutes. Je viens aussi. Non, juste Daniel. C'est trop dangereux. J'ai besoin de toi pour couvrir le périmètre. Oui, chef. Dépêche-toi de revenir. À vos ordres. Va trouver cette fille, Daniel. Hé, hey, petite. Viens. Retournons voir ta sœur maintenant. Viens là. Chut. Tout va bien. Non, non! Surtout, tirez pas! Chut, tout va bien.
Je te protégerai. Sasuke, Kazuha. Ça va aller. Plus nach Hause. Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Hier! Ich habe etwas gehört! Merde! Kasper! Merde! Nein! Kasper! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Tu t'en sors très bien. On y est presque. Tu vas devoir être courageuse une dernière fois. Monsieur Raus. Je suis là. D'où est-ce qu'ils viennent? Pas le choix, faut y aller. J'entends des coups de feu. Pas par ici. Attendez. Et je me rends! Surtout, tirez pas! Tu vas devoir être courageuse une dernière fois! Monsieur Raus! Je suis là! D'où est-ce qu'ils viennent? Pas le choix, faut y aller! Attention, t'es flatsy! Je suis là, Anna! J'entends des coups de feu! Pas par ici! Je vais nous tirer de là! Encore un petit effort! Ça va aller ici. Conduis-la au camion. On se couvre. Compris. Mon Dieu, fais le ménage. Daniel, par ici. Anna. Merci. Mama hat gesagt, ich soll mich Kasper kümmern. Die kommen nicht zurück. Okay, ils peuvent se débrouiller. En route. On les escorte à poids, c'est tout. Pearson a raison. Si on vient avec eux, on risque d'attirer les tiens. Ça me paraît trop risqué. Soldats Sussman, on sécurise cette rue et on les évacue, c'est compris? Oui, j'ai bien compris, mais seul, je pense qu'ils seraient plus en sécurité. Si on laisse les Allemands reprendre cet hôtel, tous les nôtres dans le secteur seront en danger. On n'est pas à Catherine, là. On a l'avantage. Allez, faites-les monter, vite. À vous de voir. Tous à vos positions! Signaler, le jardin est nettoyé. La rue est dégagée. Tout le monde va bien.
Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich kann fahren. Alif, nee. Digga! Ils ont tiré sur le camion! Erika! Bitte, Erika, hör auf! Elle est morte! Allez-y! Allez! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis les ordres, tout le monde retourne à l'hôtel! On bouge, on bouge, on bouge! Hé! Hey, on peut plus rien faire! On a pris Aix-la-Chapelle, ouvert un passage occidental vers le Rhin. Mais le fossé entre Turner et Pearson est plus large que jamais. Et c'est bien plus que nos vies qui reposent entre leurs mains.